Un petit peu vlog parce que c'est quand même très joli. C'est Bussy Saint-Martin, c'est en Seine-et-Marne, hein. Voilà, donc là il y a une église qui date qui a été faite aux environs du 11e-13e siècle, avec une nef romane. Et je suis rentrée, bah j'ai pas pu rentrer, j'étais avec le chien, donc j'étais au départ de l'église. Il y avait donc des sarcophages qui ont été retrouvés à l'extérieur et dans l'église, qui dataient de l'époque mérovingienne. Donc là, bah, c'est une petite place. C'est super joli. Et par là-bas, bah là on n'est pas passé devant, il faut encore qu'elle tire à chaque fois que je suis un truc. À chaque fois que j'ai l'appareil dans les mains, elle tire. Je sais pas ce qu'elle a. Là. Ouais, donc pas très loin, il y a le château de Guermantes. Voilà. Donc c'est quand même super joli quoi. Il n'y a jamais de voiture, il n'y a pas un pelé, mais il suffit que je prenne l'appareil pour qu'il y ait des voitures. Hein. Ah, mais ils ont mis des éclairages. Mais par là, pousse-toi. Attends. Ça, c'est le... derrière l'église. Ils ont mis des éclairages quand même, là. Il n'y a jamais personne, on voit jamais personne. C'est bizarre les campagnes en France. Je ne sais pas où sont les gens, je ne sais pas. Je crois qu'on ne voit même pas dans les jardins d'ailleurs. Ils ont des maisons avec des jardins, mais on ne les voit pas spécialement dedans. Je ne sais pas où ils sont. Il n'y a jamais de mouvement, quoi. Je ne sais pas, une fenêtre qui s'ouvre. Je ne sais pas, un peu de vie, quoi. Il n'y a pas. Bon bah après on en prend son parti, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être contemplatif quoi. C'est vrai que la nature ça suffit amplement, on n'a pas besoin des gens, hein. Mais voilà quoi. Bah voilà, c'était pour faire un petit vlog comme ça, parce que je trouvais ça vachement joli. Je reviens des courses, donc j'ai un petit peu chaud, j'étais chez Aldi. Et aussi c'était pour voir ce qu'ils avaient reçu en scrap, parce que j'ai vu que une personne qui avait été acheter des trucs. C'était franchement excessivement cher. 2,90, on va dire 3 euros pour des petits autocollants. Franchement, enfantin, et des trucs qui coûtent rien du tout. Et vendre ça 3 euros. Alors à la limite, j'aurais pris, il y avait des blocs papier à 4 euros, mais il n'y avait qu'un seul modèle. Bon, et puis ça me plaisait pas le modèle. Mais franchement, les autocollants, non, quoi. Voilà. Alors, je vais couper, je vais aller de l'autre côté. Je sais pas comment ça se fait que l'église est ouverte, c'est pareil, les églises, elles sont toujours fermées. Et là, apparemment, c'était ouvert. Je sais pas si c'est ouvert tous les après-midi. Ou... Ah, c'est parce que c'est la Pentecôte. C'est pour ça. Voilà l'explication. C'est la Pentecôte. Il faut que j'essaie de pas faire de trop bouger. Je peux même pas la lâcher parce qu'il y a des voitures. Et pas trop bouger quand je marche parce que sinon, c'est infernal. Viens ici. Bon, je coupe. Je vous montre parce que c'est joli quand même. Petite maison. Je sais pas si on voit bien. C'est vachement joli.
J'adore la petite fenêtre là où j'ai un contre-jour, ça fait que je vois pas ce que je filme. Mais c'est vachement mignon leur maison, j'habiterai bien là moi. On voit pas tellement. Hein. Là, il y a des belles roses. Ça, c'est le taux de la mairie. Et là, il y a un paysage, c'est super joli. On dirait des peintures. Il y a des tableaux de Vermeer. Super beau. Très très joli. Je sais pas ce qu'il y a. Normalement au bout, il me semblait qu'il y avait une petite rivière là-bas. Viens là. Une grande coulée verte. C'est très beau. Bah là c'est des épis de, je sais pas, de blé, champ de blé. Là ils sont encore verts. Je vais aller jusqu'à la barrière qui est au fond là pour voir qu'est-ce qu'il y a si c'est pas la rivière. Je vais stopper là. Non, bah, je suis arrivée à la petite barrière mais c'était pas la rivière. Parce que normalement je crois qu'il y a un cours d'eau, je sais plus où, mais alors là ça continue. Mais bon bah. J'ai un peu mal aux pieds, puis j'ai chaud, puis elle, avec elle, on peut pas marcher avec elle, il faut que quelqu'un la tienne. Elle est trop merdeuse, elle va à droite, à gauche. La prochaine fois, je ferai la petite église de campagne. J'essaie de grossir le truc. Ouais. La prochaine fois, je ferai un vlog... au château de Ferrières, qui est à côté aussi. Ici, il y a beaucoup de châteaux. Château de Ferrières, c'est là où a été tourné le film Papy fait de la résistance. Et d'autres films aussi. Il y a pas mal de films qui ont été tournés là. Il y avait une scène aussi dans Fais pas ci, fais pas ça. Là aussi, il y avait eu... Il y a des gens derrière. Moi qui disais qu'il n'y avait jamais personne. Allez, il y a des gens avec un chien. On n'a pas fini de se retourner. Voilà. Donc, eh ben, je vais couper mon vlog là. À très bientôt.